Ah si, ça y est, je parlais trop vite. Ah là là. Bah, attendre que ça arrive, doucement mais sûrement. Belle surprise. Waouh! Lorient est dans la place. Ah mais là ils sont tous en train de regarder Claire Chazal à la télé là. Ah si, putain, il y a 5 en direct. Waouh! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grosse mobilisation ce soir, rassemblement sur toute la France, sur toutes les places de France contre le pass sanitaire. Je peux vous dire qu'il y a énormément de monde sur le parvis du théâtre à Lorient. C'est limite, on s'entend pas parler, c'est un truc de fou. J'ose même pas montrer tellement il y a du monde. Je vous garantis, c'est un truc de fou. Grosse mobilisation donc contre le pass sanitaire sur Lorient. C'est un truc de ouf. Énormément de monde. En tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre. Plus on sera, mieux ce sera. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Soutien sur le Tipeee de Live Solo, éventuellement. Voilà. Non, non, il y a énormément de monde. Hein. D'ailleurs, vous avez vu les belles infrastructures. Hein, si vous voulez accéder à partir de demain, il faudra un pass sanitaire pour accéder derrière moi. N'hésitez surtout pas. Bah, je vais vous montrer le monde qu'il y a, parce que franchement, c'est un truc de fou. Et ceux qui ne veulent pas passer, cachez-vous. Hein. Attention. Donc voilà la mobilisation lorientaise. Voilà la mobilisation lorientaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Putain. 14 et 15 avec Live Solo. Voilà. 14 et 15 avec Live Solo. Donc et bah, allez tous chercher votre passe sanitaire et puis bonne continuation à tous. Ah, je vous ai pas compté, alors j'étais pas sûr, j'en rajoute 4 de plus. 14 et 4, ça fait 18, 19 avec Live Solo. J'étais pas sûr, je savais pas. Faites pas les timides, hein, allez-y, rapprochez-vous. Plus on est de fous, mieux on rit. Hein. Donc je suis désolé, on est du coup, on n'est pas 14, on est 18. Voilà, 18 à Lorient, à crier et à hurler contre... Voilà. D'ailleurs, voilà. Passe sanitaire. Donc voilà. Là, pour l'instant, si vous avez le code pour... c'est le code du passe sanitaire, en fait. Bah, je ne sais pas si ça va venir. Hein. Peut-être pour un petit tour de manège, j'en sais rien. Et c'est pareil, hein, si vous voulez venir faire un petit tour de manège, il faut votre passe. Les manèges sont allumés là-bas, mais je pense pas qu'ils fonctionnent. Et c'est parti pour un petit tour. Ça passe, ça trépasse. Oh. Voilà, le parvis du théâtre est rempli de... d'énormément de monde. Il y avait un appel national à se regrouper pour ça y est, je perds mes mots, je sais même plus quoi dire, quoi, pour lutter contre le pass sanitaire et voilà. Oui, samedi à 14h, il y a un rassemblement de prévu, il y en a deux, il y en a un à 9h30 à Lanxelvin et il y en a un à 14h de prévu ici même. Voilà. Après, il y a quand même des gens qui se mobilisent. Le son est coupé. T'es sûr? Est-ce que le son marche bien ou c'est juste pour Georges que le son est coupé? Non, il n'y a personne. Malheureusement, il n'y a personne. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Je ne sais pas comment faut interpréter la chose. Ah mais j'y étais, Damien, j'en reviens de Vannes, hein. Tu verras, j'ai fait un... Ok, j'ai fait un...
Donc Georges, je confirme, c'est pour toi que ça décode le son. J'y étais à Vannes tout à l'heure. Bah désolé, hein. Par contre, là, pas de souci, on peut présenter le pass pour aller manger au Belvédère. Bah après, sur les réseaux sociaux, c'était marqué Fox, sur les réseaux sociaux, c'était marqué rendez-vous sur toutes les places de France. Hein. Donc voilà, peut-être que c'est pas une place, c'est peut-être pas considéré comme une place ici à Lorient. Après, ça a été spontané, donc pourquoi il y aurait plus de monde à telle ou telle ville, voilà. Après, c'est peut-être proportionnel, après, c'est peut-être l'heure du repas, j'en sais rien, c'est l'heure de casser la croûte, il pleut un peu, on va aller se protéger. Je vais aller me mettre à l'abri parce que moi je suis pas étanche du tout. Enfin moi je suis étanche mais mon matériel n'est pas étanche. Donc on va vite aller s'abriter. Hop là, tous aux abris, ça y est, ça c'est fait. Bah, le problème, c'est ouais, je veux bien faire passer l'info, mais Vannes, c'est cool hein, qu'il y a un rassemblement samedi à Vannes, mais je pense que les Lorientais sont revenus en masse déjà plus quelques fois à Vannes, et ça serait bien que Vannes vienne à Lorient samedi pour la mobilisation, parce que voilà, il y a quand même ce qui se passe là, qui démarre demain à Lorient, le FIL, le Festival Interceltique. Donc donc voilà quoi. Bon là j'ai peur, il y a des gens qui arrivent, on dirait des black blocs, je sais pas ce que c'est, ce sont des gens énervés. J'ai peur qu'ils s'en prennent à moi. Ils arrivent en masse. Ces gens me font peur. Ces gens me font peur. Ils arrivent vers moi, mais que se passe-t-il? Je n'ai rien fait, c'est pas moi. Vous avez un pass au moins pour circuler là, parce que c'est interdit sinon. Hein. Voilà, la pluie n'arrête pas un breton, ça c'est une certitude. Mais bon voilà quoi, ouais j'ai compté, on est une vingtaine quoi, voilà. Une vingtaine de personnes. Peut-être que ça va inciter certains l'orienter en regardant le live à rejoindre ou pas. Bah non, il y a plus belle la vie là. Ouais, plus belle la vie. Je sais pas combien de temps elle va durer, plus belle la vie. Hein. Je crois que ça va être plus moche la vie, ouais, surtout. Ouais. Ils sont une cinquantaine à Quimper. Ils sont une cinquantaine à Quimper. Oh putain, quelle tristesse. Bah allez, on va rappeler un peu les événements pour ce week-end quand même. Du coup. Du coup, voilà, a priori, Vannes est vraiment décidé pour faire son rassemblement samedi. Donc, bah, libre à ceux qui veulent aller à Vannes d'y aller. Après, il y a un rassemblement de prévu, en tout cas ici, samedi, à Lorient, par rapport au festival interceltique. Il y en a même deux. Hein. Il y en a un le matin, comme d'habitude, le matin à 9h30 à Lanselvin, à la Nester. Et un deuxième à 14h ici, au niveau du parvis du théâtre. En espérant que la place soit remplie comme elle était samedi dernier, quoi. Et puis voilà. Surtout bien le festival, c'est ça. Mais oui, c'est surtout ça. C'est pas parce que Vannes, je vois qu'il y en a beaucoup qui appellent pour venir à Vannes, mais j'arrête pas de dire que voilà, on est venu quand même deux fois là à Vannes. S'il faut, on reviendra le 14. Mais les Vannetais, venez à Lorient samedi. On est dans le Morbihan, quoi. Il y a le festival. Je répète, le festival interceltique démarre demain, quoi. Et il faut le pass sanitaire. Et en plus, il faut le pass sanitaire pour accéder au FIL. FIL qui veut dire Festival Interceltique, au cas où vous auriez loupé le FIL. Festival Interceltique de Lorient. Merci. Voilà, de toute façon, je crois que
À moins qu'il y ait une grosse colonisation qui arrive de personnes qui viennent hurler contre le pass. Mais je pense que je vais arrêter le live. Ça ne sert à rien, je vais garder mes batteries pour samedi prochain, enfin pour après-demain. Et puis, voilà, quoi. C'est triste, comme le temps. Vous avez quelqu'un à l'hôpital, vous n'allez pas faire un test toutes les 48 heures. Salut Patrick, ouais, bonsoir tout le monde. En tout cas, c'est vrai que j'aurais pu prendre le temps de vous saluer. Salut Marie. Il y a plein de Marie sur le live en plus. Donc je salue toutes les Marie que je connais sur le live. Tous les Patrick, tous les Denis. Teresa, salut à toi. Georges. Ouais, il y a plus de monde sur le live que sur la place en fait. Georges, pour info, je ne sais pas si tu as eu la programmation pour les bénévoles du festival interceltique. Bien sûr, vous pouvez être bénévole sans avoir de passe. Par contre, vous ne pourrez pas accéder au site sans passe. Hein. Donc, vous avez le droit de faire du bénévolat. Renseignez-vous auprès de votre responsable. Vous avez le droit de faire du bénévolat, contrôler des passes. Mais vous, par contre, si vous n'avez pas de passe, vous n'aurez pas accès aux scènes, aux carrés VIP ou autres. Hein. Donc renseignez-vous bien, hein. Moi j'ai eu l'information, je ne divulguerai pas toutes mes sources, mais voilà quoi. Je peux contrôler, mais tu vas enculer comme ça. En fait, vous contrôlez, mais vous êtes... Faut pas que j'aborde les mêmes... Je ne veux pas aborder les mêmes mots. Je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a des gens qui bossent, Chou, mais il y a aussi des gens qui, comme moi, ne bossent pas, sont au chômage. Après, à cette heure-là, on est en mode 3-8. Là, c'est l'équipe de nuit qui va attaquer. Donc, il y a des gens qui ne bossent pas à cette heure-là. Ouais. Je me lève à 5h du matin. Et je suis là. Voilà, donc à côté de moi, j'ai une personne qui se lève à 5h du matin qui est présente. Donc, voilà. Dans le milieu hospitalier, d'ailleurs. Au niveau maintenance, un peu, on peut dire ça, ouais. En mode maintenance. Enfin là, c'était pas forcément une manif hein, pour aujourd'hui, c'était plus pour un rassemblement par rapport contre le pass sanitaire qui vient de nous être validé par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel même. Non, Georges, tu as ton badge, mais si tu n'as pas ton pass, même avec ton badge, tu ne pourras pas passer. Demande à ton chef, Georges, tu verras. Va voir ton chef qui t'a embauché pour faire du bénévolat pendant qu'ils vont se faire du pognon sur votre dos, d'ailleurs. J'en appelle à tous les bénévolats qui n'ont pas de pass. Moi, je serais vous, je boycotterais le festival interceltique. Bref, ouais, bah, je crois que je vais arrêter, ça sert à rien. Il y a plus de monde sur le live, comme tu dis, que de personnes présentes. Quoi. Là, 45, pas loin de 50, quoi. Il y a plus de monde sur le live que présent. Bon les amis, hop là, on va faire comme ça. Je vais faire attention de pas... Hop. Bon, ça sert à rien d'en faire plus. J'ai fait ce que j'avais à faire, voilà. Il y avait des appels un peu partout ce soir à 20h qui étaient d'appeler les gens dans les villes de France pour crier contre le pass sanitaire. Faut pas dire qu'on n'était pas au courant, puisque ça s'est fait spontanément, ça s'est décidé tout à l'heure, une fois qu'on a su que le pass était validé par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, voilà. Je bouge mes mots. Enfin bref, voilà quoi. Bah, triste réalité ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Où va-t-on, j'en sais rien. Mais bon, voilà quoi. Bon, du coup, j'ai pas envie de plomber l'ambiance. On va arrêter là. Merci de votre patience. Merci d'avoir suivi Live Solo. Tout à l'heure, c'était Van. Là, c'était Lorient. Demain, on verra. Après-demain, ça sera Lancelvin à 9h30.
14h ici au Parvis du Théâtre et on verra bien ce que ça donnera. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.